Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Batman Arkham Knight et j'espère que vous êtes vraiment chaud les gars pour ce let's play qui s'annonce être énorme. Si le jeu est à la hauteur de Batman Arkham Asylum et Arkham City, bon j'exclus un peu Arkham Origin parce que c'est pas Rocksteady qui l'a fait, etc. Mais bref, si le jeu est à la hauteur des deux précédents, clairement, il s'annonce très 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 bon. Alors voilà, pour l'occasion j'ai même mis mon t-shirt, un petit t-shirt du Joker hein, pour faire honneur à Batman très clairement, un t-shirt... aussi un magnifique t-shirt, voilà, qui est plutôt stylé, hein, ce t-shirt, très clairement. Je me devais de le mettre, hein, pour ce premier let's play, très clairement. C'était obligé, voilà. On cliquait ici pour commencer. Eh bien, allons-y, les amis, cliquons ici pour commencer. Sauvegarde vide. Alors, difficulté. Alors, on va faire un premier straw poll. Le lien sera dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez voter sur la difficulté, savoir si on joue en normal ou en difficile. Personnellement, je vais mettre en difficile. Si vous pensez que voilà, vaut mieux que je joue en normal, dites-le moi. Dans le straw poll, il y aura la difficulté, un choix de la difficulté, normal ou difficile. Vous répondez, comme ça je saurai, je changerai, parce qu'on peut changer. Cette option peut être ajustée à tout moment dans le menu options du jeu. Voilà. Sous-titre, on va mettre oui. Et on n'a pas des grands haut-parleurs, on a un casque pro. Voilà, voilà, voilà. Information et un sauvegarde automatique. Deuxième chose, deuxième straw poll auquel il faut absolument que vous répondiez, la langue du jeu. Pour l'instant, je suis en français, donc on a mis les sous-titres en français, donc français, sous-titré, français. Dites-le moi dans le straw poll si vous voulez que je passe en anglais, sous-titré, anglais. Je peux pas faire anglais, sous-titré, français, ce qui aurait sûrement été le mieux pour vous. Mais je peux faire du anglais, sous-titré, anglais, si vous voulez entendre parler anglais, et voilà, si vous êtes assez à l'aise, voilà. Anglais, sous-titré, anglais, ça peut être pas mal aussi. Mais si vous voulez rester en français, sous-titré, français, bah dites-le moi dans le straw poll, il y aura les deux choix. On va, comme d'habitude, aller faire un tour dans les options. Option des graphismes. Eh bien, pour l'instant, je ne vais pas mettre la synchronisation verticale. On est en 1440. Pour l'instant, le jeu a des énormes problèmes d'optimisation et de bugs chez certaines personnes, de framerate, de drop de framerate, etc. chez certaines personnes. Donc, synchronisation verticale, je ne la mets pas. Pareil, on ne peut pas désactiver le motion blur, sinon ça fait crash le jeu. J'ai essayé. Et on ne peut pas le désactiver. Via ça, il faut aller modifier les fichiers de config.ini pour désactiver le motion blur, mais le jeu ne démarre plus. Chez certaines personnes, ça marche, chez d'autres, ça ne marche pas. Moi, ça faisait crasher le jeu au moment du lancement. Bref, du coup, voilà. Alors que je déteste le motion blur. Et que je trouve que ça provoque des baisses de framerate assez impressionnants. Ombre, on va laisser en normal, c'est comme sur The Witcher 3. Il n'y a pas vraiment de différence entre normal et élevé. Anti-aliasing, j'en ai pas besoin. Résolution des textures, on ne peut pas mettre au-dessus de normal. Et ça, il y a pas mal de gens qui gueulent là-dessus sur les forums Steam qu'on puisse pas mettre au-dessus de normal. Un peu comme Shadow of Mordor quand il est sorti, on pouvait pas mettre les textures en ultra. Ils ont sorti un pack de textures HD après, je pense que là ça va être un peu pareil, ça va être un peu le cas. Ensuite ça, plus amélioré apparemment, c'est hyper mal optimisé. Bon, le reste c'est pas non plus hyper bien optimisé, mais on va le laisser parce que voilà. La fumée interactive est quand même plutôt magnifique, donc on va les laisser. On verra bien ce que ça donne. Alors, et ben, commençons les amis, commençons nouvelle histoire. Ah oui, autre chose, je suis pas en SLI. Nvidia a décidé de... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le SLI en ce moment, sur Batman Arkham Knight, en tout cas. Pas avec le SLI en général, hein, juste sur Batman Arkham Knight, avec le support du SLI, très clairement, moi, je mettais le SLI. Mes framerates, je chutais très clairement, j'avais moins de performance en SLI qu'avec une carte seule. Et j'avais aussi de gros drops, je passais de 40 à 10 FPS, c'était absolument atroce. Hein. J'ai fait des petits tests au niveau de test performance PC, voilà. Bref, comme vous pouvez le voir, on va faire une nouvelle histoire. Allons-y les amis, allons-y. On est parti pour ce Batman. De ma skin. Bref, je crois que je vais arrêter de chanter, c'est mieux pour tout. Ok, qu'est-ce que c'est? Une petite fleur, des vêtements bleus, plutôt violets. Est-ce que ce serait pas le Joker? Ah si! Eh ben voilà! Un petit Jokinou avec le grand sourire. Comme à son habitude. Oh, c'est vrai que dans Arkham City, on tue le Joker, très clairement. Et
l'épisode se finit sur la mort du Joker, Batman qui sort avec le Joker dans les bras et qui le dépose sur une voiture de flic. Moment très épique du jeu, clairement, ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je peux cliquer pour allumer les flammes. Intéressant. Intéressant. Ah, 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 non. Ah, il y a ses cheveux qui ont commencé à cramer. Alors, hop. Ah, mais, chérie, je crois qu'on a plus de gaz. Chérie, on a plus de gaz. Allez. Ah, mais non, va falloir qu'on passe racheter une bouteille de gaz à Leclerc, là, c'est pas possible. Chérie, ça veut pas prendre. J'ai un problème, j'ai un corps dans le four et il ne veut pas prendre. Tu m'expliques comment on fait, hein? Ah non, non, ça veut vraiment pas, hein. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais allume-toi, allez, là. Bon, j'arrête, promis, j'arrête. Eh non, j'arrête pas. Oh putain, il a commencé à cramer, c'est immonde. Oh là là, incinérer espace, non. Je veux faire ça manuellement, je veux faire ça, je veux prendre, voilà, le fer doré à feu doux, voilà, comme ça, hop là, hop là, ouh, ça commence à boursoufler sur la tête et tout, appétissant, ça sent le cochon grillé, un bon petit bacon, oula, ouais non, là t'es un petit peu trop grillé, mon petit Jokinou, ouais non, un petit peu trop, voilà, non, beaucoup trop cramé, je pense. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que Batman est mort. What? C'est comme ça que Batman est mort. Ok les gars, ok les amis, si vous le dites. Il y a 9 mois, le Joker a été incinéré. J'ai moi-même appuyé sur le bouton et brûlé ses salopards. Ensuite, on a attendu. Gotham se préparait à subir une inévitable lutte pour le pouvoir. Mais elle n'est pas venue. Ah, c'est con. La criminalité a même baissé. Étonnant, étonnant. Au fond, je savais que la guerre approchait. Quelqu'un finirait bien par mettre le feu aux poudres. Ouais, forcément. Reste à savoir qui et comment. C'est surtout ça le problème. Pour après ensuite l'arrêter. GCPD, Gotham City Police Department. Ça me fait penser à la série Gotham, justement, hein, avec Jim Gordon aussi, enfin bref, qui raconte l'histoire de Jim Gordon et de Harvey. Pas à part Harvey Dent, on le voit pas tellement, mais son acolyte, je sais plus comment il s'appelle, c'est Jim et c'est... Merci. Oh, je sais plus le nom de coéquipier de Jim, oh, je suis deg. Merci, le barbu avec la casquette, enfin la casquette. Non, il a pas de casquette, le barbu, tout, juste le barbu. Que je trouve absolument énorme d'ailleurs. Non, vous savez quoi? Mettez-moi des gaufres avec supplément bacon. Dites rien. Ah, le mec bien choisi, gaufres supplément bacon. Voilà. Ça c'est parfait. En bref, Jim Gordon quoi. Arrive et tout là, avec sa petite voix. JCPD, freeze. Bon alors, missing. Henry Adams. Excusez-moi d'interrompre votre repas, agent. Owens. Mais il y a un homme qui fume là-bas à la table du coin. Et ben on va aller voir. 2 secondes, je vais le voir. Et ben voilà, on va aller le voir, c'est ce que je disais. Donc aussi, je ne vais pas faire un stropo, mais je vous préviens tout de suite, je ne vais pas couper la webcam comme je fais sur The Witcher pendant les cinématiques. Parce que The Witcher, pendant les cinématiques, c'est-à-dire qu'on arrive vers un personnage, on parle, il y a tout un dialogue et tout, ça peut prendre du temps. Et après, donc là je coupais la caméra. En plus, les sous-titres étaient... pas centré, là je vois que les sous-titres sont centrés alors que sur The Witcher 3, les sous-titres prenaient tout le bas de l'écran et du coup, si je laissais ma tête, ça cachait les sous-titres. Alors que là, si je la laisse, les sous-titres seront toujours là, on les verra toujours. Donc je vais la laisser parce qu'en plus, il y a tout le temps des interactions, genre, je sais que dans les autres, bah voilà, on demandait des infos, on se mettait à décrypter un truc avec notre bat décryptu, petit truc là qu'on avait, le bat ordinateur qu'on avait sur nous là. Et bien à chaque fois, il y avait des petites cutscenes comme ça, ou de petites interactions, et ça serait trop long de couper la webcam à chaque fois. Bref, on va voir le mec qui fume. Dis-moi, espace. Excusez-moi, monsieur. C'est non-fumeur, là, hein. Oh, mon... Oh, non, oh, il est... Ah, ah, il est horrible, ah, c'est... Ah. Ah, il y a plein de bêtes. Ah, ça.
Eh bah, vous savez quoi, je crois que c'est Scarecrow. Bah, le mec a des hallucinations, c'est forcément Scarecrow. Donc l'épouvantail, hein, pour ceux qui ne font pas le lien. Ah ouais, non, c'est l'épouvantail qui se base sur des toxines. Il utilise des toxines pour inhiber et exhiber la peur des gens. Enfin, surtout inhiber. Je crois que c'est inhiber. Ah, je peux tirer. Exhiber la peur des gens. Ah, je peux toujours tirer, énorme. Ah, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Non. Est-ce que je peux me défendre? Non, je peux pas me défendre. Ah, putain, j'ai beau cliquer, ça sert à rien. Aïe, oh, oh. Ah, je crois qu'on est décédé là. Attaque chimique. Cette démonstration n'a requis que 140 grammes de ma dernière toxine. Demain, ceci vous semblera bien inoffensif. Ah, c'est l'épouvantail. Gotham, ceci sera ton seul avertissement. Oh, le bâtard. Il veut relâcher une bombe chimique dans Gotham. L'enfoiré. Donc ouais, donc voilà, les toxines de l'épouvantail, donc ils les utilisent pour, donc je crois que le terme c'est exhiber, non c'est pas exhiber, c'est pas, je suis pas sûr que ce soit inhibé non plus, pour exacerber, non pas du tout, pas du tout, aucun, le mec qui a besoin de s'acheter un dico, augmenter la peur des gens, c'est-à-dire que le mec va utiliser vos phobies contre vous. C'est-à-dire que voilà, si vous avez, vous avez une phobie des fourmis. Beaucoup moins. Ah, il y a beaucoup moins de monde. Si jamais vous avez une phobie des fourmis, bah par exemple, une fois que vous avez inhalé la toxine, bah, vous allez voir des fourmis partout qui vont vous monter dessus, qui vont ramper, vous allez péter un câble. En fait, c'est psychologiquement, vous devenez fou en fait. Limite après, vous vous tuez tout seul, genre vous arrachez la peau pour essayer de vous enlever les fourmis que vous avez sur vous parce que vous avez trop peur et tout. C'est horrible. Oh, le pingouin et Double Face, magnifique. En gros, il reste plus personne à Gotham, tout le monde a été évacué. Et en gros, il n'y a plus que les gros criminels et tout. Et personne ne peut les arrêter, à part Batman, bien sûr, forcément. En gros, Gotham est totalement dévasté, on va dire. Enfin, dévasté. En proie au crime, etc. À partir de ce principe-là. Est-ce que vous voyez le... Est-ce que je vois le Batman à gauche là de la ville. Sur son petit truc, c'est bien Batman hein. Ce soir, le sort de Gotham est entre les mains d'un seul homme. Batman. On voit Scarecrow, voilà l'épouvantail qui se sert des phobies des gens pour semer le chaos. C'est d'ailleurs le méchant qui apparaît dans Batman Begins, hein, le premier film de la trilogie de Nolan. C'est Scarecrow qui apparaît. Avec son espèce de masque en vieux tissu là et. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors il faut qu'on aille. Détail de l'objectif, rejoindre le commissaire Gordon près du Bat-Signal sur le toit du JCPD. Planer, c'est maintenir espace, hein, c'est comme d'habitude. Boulet de canon, maintenir contrôle gauche. On va pas faire un boulet de canon ici. Et changer de direction, bah, bouger la souris très clairement. Alors. Où est Harley au fait? Elle a disparu après la fermeture d'Arkham City. Harley Quinn? Oh oh, passant. On a toujours le grappin. Et on a toujours le boost du grappin. Alors ça, c'est génial. Double fois espace, double fois sur espace qui permet de booster sur le grappin. Enfin, quand tu braques un truc, généralement, tu l'achètes pas, hein. Ah, Gordon. Du soir de danger. Gordon. Désolé, faut que j'y aille. Reste au calme, Barbara. Vous savez toujours soigner vos entrées. Comment se passe l'évacuation? Le dernier bus est sorti de la ville il y a une heure environ. Je suis soulagé que ma fille ait pu partir. Ouais. C'est maintenant que le travail commence. Du neuf sur l'épouvantail? On a traqué un véhicule militaire non identifié qui fonçait à travers Chinatown. Ok. C'est la seule piste qu'on a eue de la nuit, mais il nous a filé entre les doigts. Avec cette histoire d'évacuation, je n'ai plus assez d'hommes sur le terrain. Tu m'étonnes. Si vous le retrouvez, dites à vos hommes d'attendre. Je m'en chargerai. Ok. Vous pensez vraiment que l'épouvantail est assez fou pour faire exploser une arme chimique en plein Gotham? Ah oui. Je ne lui en laisserai pas l'occasion. Ah oui, il est complètement, si complètement vous avez suffisamment fou. Très clairement. Va être long. Le bas de téléphone. Un coup
Le téléphone qui a l'air incassable, tellement. Hey, Batman. Forcément, on est parti à chaque fois. C'est toujours la même chose. Every damn time. Every fucking single time. On se barre tout le temps à chaque fois comme ça. Okay. Oracle, je voudrais l'emplacement de l'unité. Je suis dessus. Comment va mon père? La file de Jim. Quoi qu'il arrive, il tient toujours le coup. Ok, voilà l'emplacement du véhicule de l'escouade. Soyez prudent, ça risque d'être délicat. Mais non, pas du tout. Bref, tu sais qui je suis Batman. Ok, c'est par là-bas. C'est parfait. Hop là. J'aime vraiment le grappin, c'est vraiment le truc, un truc génial dans Batman. C'est tellement bien. Bon, le jeu est bien fait, hein. Bon, on a quelques baisses de framerate vite fait, très légères quand il y a beaucoup de choses. Ok, on va monter là. Oh, il y a du monde en bas. Alors, descendre. Coup de pied en planant. Eh bah, coup de pied en planant. Et bam. Les combats. Oh, les combats. Ça m'avait manqué, les combats à la Batman. Oh, très clairement, ces combats sont jouissifs. Hop là, il fallait que j'appuie sur 1, je crois, pour... Évasion, évasion. Bam. Oh là là, je les ai défoncés, mon dieu, c'était... C'était énorme. Bon, on va te sauver, toi. Est-ce qu'il n'y a plus rien? Merci, Batman. J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. Oh, un véhicule. Oh, mon dieu. Le grappin. Ouh, c'est pas passé loin. Ah, oh, c'est pas passé loin. La ville est envahie. On a aucune chance. On a aucune chance. J'envoie quelqu'un vous chercher. Qu'est-ce que vous faites? J'équilibre le jeu. J'équilibre le jeu. Even the odds. Appuyez sur E pour équilibrer le jeu. Dites-moi pas que c'est la Batmobile. C'est la Batmobile. Magnifique. Oh, trop bien. Oh là là, mon dieu. Hey. Oh, encore ouais. Faire mumuse. J'ai besoin de traquer ce véhicule militaire. Oh, une génial. Voiture de police l'a pris en chasse. Je vous transmets ses coordonnées. Vas-y, je veux voir la. Je veux voir comment ça se conduit ce truc là. Ça va être génial. Oh. Et là. Oh, c'est trop bien. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, on a un peu de baisse de framerate parce qu'on est que à 40 là. Mais c'est jouissif, mon dieu. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien à conduire. Oh, la roquette. Oh, la roquette. Faut que je fasse qui? Ne vous inquiétez pas, Jim. Il est à moi. Hop, le virage. Ok, donc. J'ai des missiles en plus sur la batte. Aïe, oh. La cible approche de la bande de Gotham. Allez, bam. Allez, encore une petite dernière, allez. Ouais, nickel. Sortir de la Batmobile. Hop là. Oh, vous voyez la fumée? La fumée, vous avez vu la fumée, c'est plutôt énorme. On va aller interroger le conducteur. Interroger le soldat. Vous voyez les textures qui sont pas ouf en fait. Les textures des habits en fait, notamment sur les ennemis, qui sont pas oufissimes comme vous pouvez voir. Non. Ah. Un espèce de petit pipi. Où il est? Je n'ai rien à te raconter, Batman. Parle. Ouais. Je réduis tous tes os en miettes. Ok. Il bosse dans un appartement à Chinatown. Je te jure, c'est tout ce que je sais. Ouais. Si tu mens, je te casse l'autre.
L'autre quoi? Oh! Ouh, ça doit pas faire plaisir. Ok. On a récupéré une toxine, je crois. On a récupéré une seringue de toxine. Oracle, vous pouvez vérifier la dernière analyse chimique? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que je pense? Oui, je pense. La nouvelle toxine. Je pense que c'est ce que tu penses. C'est bien ça. Je vais lancer une analyse chimique complète sur le bat ordinateur. Qu'est-ce que vous le allez faire? Le bat ordinateur. L'épouvantail a un repère pas loin. Je vais lui rendre le bat ordinateur. C'est l'indice clé qu'il nous manquait. C'est ici. Je devrais aller jeter un œil à l'appartement du dernier étage. Ok, donc là on va monter dans la Batmobile. Alors, regardez juste, alors j'ai des batarangs, j'ai la batgriffe. Donc c'est pour ça aussi que c'est mieux de jouer au pad, parce que tous les trucs sont beaucoup plus faciles. J'ai du gel explosif. Ok, j'ai que 3 trucs pour l'instant. On va monter dans la Batmobile. Et là il faut qu'on aille. Ok, dans l'autre sens. On peut changer la vue. Ah, on peut mettre une vue. Hein? What? Fallait que j'aille là. Ah non, en fait, il faut vraiment que j'aille là, que je sois là. Ah, c'est au-dessus. Ok. Moi, j'avais pas du tout vu ça comme ça. Alors, on peut lui filer une dose là. Fais-toi plaisir. Juste là. Ok, élimination. Bam. Vous devriez revoir votre sécurité. Oh là, on casse tout. Alors. Oh putain, mais ces combats sont énormes! Hop là, on élimine. Non, il a récupéré une arme. Hop là. Voilà. Pas les années vie, qu'est-ce que tu fais là, dis-moi, ma belle? J'ai bien peur de te décevoir. Regarde bien la cellule. Je veux que tu fasses connaissance avec la peur qui t'attend. Ok, la bête de foire. On va sortir d'ici tranquillement. Si tu tentes quoi que ce soit, je vais exploser la cervelle. Charmant. Mais un seul d'entre nous sortira de cette cellule. Non. Ah, c'est la toxine. Ah, oh, c'est énorme, c'est la toxine. Le problème, c'est que je crois que ça affecte pas Poison Ivy. Ah ouais, ça l'affecte pas. Immunité. Clairement. Donc on va récupérer Poison Ivy. Ou alors on va se battre contre elle directement. Là, un combat contre un boss direct. Ça serait plutôt chaud. Au bout de 24 minutes de jeu, combattre un boss, ça serait plutôt tendu. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce serait du jamais vu, même. Pourquoi l'épouvantail t'a enfermé? Même pas bonjour? Non, pas bonjour. Dis-moi. Et si je ne te réponds pas? Je te défonce. Alors je brûlerai toutes les plantes de Gotham. La grosse menace. Je fais cramer toutes les fleurs, si jamais tu ne me réponds pas. Il y avait tout le monde. Le pingouin, double face, l'homme mystère. Même la pauvre Harley. L'épouvantail a dit qu'il avait un plan. Ok. Que tous ensemble, on pouvait t'écarter et que Gotham serait à nous. Il faudrait me tuer pour ça. C'était le plan. En effet, c'était l'idée. Je lui ai dit que ces pathétiques histoires d'humains ne m'intéressaient pas.
Mais avant que je puisse réagir, je me suis retrouvée enfermée. Ok. Bah, il t'a niqué, quoi. C'est dommage que sa toxine infecte n'ait aucun effet sur moi. Alors. La nature gagne toujours. Oh non, la putain, c'est pas sérieuse. Il n'apprendra donc jamais. Elle est pas sérieuse à chaque fois, quoi. Non, mais clairement, faut que t'arrêtes, Poison. Poison Ivy. Bon, bah, elle non plus, hein. Tu viens avec moi. Elle a cru que c'était la folie, en fait. Il suffisait de demander. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ouf. Ouh, des véhicules armés. Ouh, ça fait pas plaisir. Aïe, aïe. Ah ouais, ouais, non. Elle est coincée. Ne bouge pas. Batman, confirmé. Bah oui. Monsieur, le tank qui leur sert de renfort est sans pilote. Bien. Ok. Choisir la télécommande de la Batmobile. Énorme, on peut... Une Batmobile... télécommandable. Ouh. Oh, c'est violent. On balance des... Batman, je détecte 6 autres tanks télécommandés dans Chinatown. Ils seront là d'un instant à l'autre. Vas-y, change la vue. Mmh, intéressant. Ok, bref. On va repasser en mode... Non, mais on va rester en mode de combat. Ah, il y a les tanks. Ah, c'est énorme, on peut se déplacer comme ça. Hop là. C'est très intéressant, je trouve, comme... Oh, c'est génial. C'est vraiment génial. On voit les tirs des ennemis et on peut se déplacer. On peut strafe avec le... Hop là. Sinon, on a un autre canon. Un truc normal. On peut toujours changer la vue. Ah là, je peux plus changer la vue. Ok, on va se mettre là. Il faut qu'on parte. Le maître incontesté de l'euphémisme, comme toujours. Il se fout de ma gueule. J'en ai marre que les gens se foutent de ma gueule dans les jeux. Chaque fois, The Witcher, on se fout de ma gueule, Batman, on se fout de ma gueule. J'ai repéré plusieurs hélicoptères de transport qui arrivent en ville. Et c'est pas fini. Activez le diagnostic d'armement de la Batmobile. La guerre est déclarée. On est en guerre, les amis. La butte. Pardon. Excuse-moi. Pardon. Dérapage contrôlé. Dommage. T'as mis un complet. Lancez le défi, entrez. Faisons ça. Oh, c'est énorme, c'est oui. J'adore. Ok. Barrage de missile activé. Pas mal. Ah, c'est trop bien comme truc, c'est énorme. Comme mode de jeu, je trouve ça énorme. On dirait, vous savez ce qu'on dirait? On dirait les roues, on dirait des roulements. Très clairement. Des roulements qui peuvent pivoter et qui sont carrément sans glissement. C'est un truc de fou. C'est tellement chaud à faire. Enfin, genre, mécaniquement, je pense qu'un jour ce sera possible, mais. Genre, ça doit être tellement dur à faire. Moi qui fais de la concept et tout là, je suis genre comme un fou là. La voiture, c'est genre, je suis là, oh, putain, comment ça marche et tout. Ils sont où les roulements? Enfin, y a pas que des roulements, mais comment c'est possible de faire un truc comme ça? Ok, basale, ok, faut que j'appuie 3 fois sur 4 fois sur 1. Ok. Énorme. Fort bien, donc là on va avoir des cibles, des vraies cibles. Hop là. Je vise
Je vise un peu trop bien pour eux, je crois. Non, ok, pas du tout. Alors voilà. Merde, j'ai pu mentir. Hop là, j'ai appuyé 3 fois, 4 fois même. Et bam, pouah, Batmobile puissance. Ok, continue. Entrée, c'est parfait. Et comme ça, on a gagné un point d'amélioration gagné. Un transport d'aide poids d'autres temps qu'à Panessa Studio. Ok. J'ai prévenu le GCPD. Qui après permet de. Bah, sûrement. De. Soit ça nous permet directement de débloquer les compétences, soit ça nous permet au bout d'un moment de gagner un niveau. Bref, on va aller voir les tanks. Ok, bah moi par contre. Heureusement, il y en a un qui l'est. Oh, il y a des gens. Oh, il y a plein de gens. Oh là là. Mon dieu qui... Ah ouais, les mecs se détruisent entre eux. Putain, c'est chaud à éviter tout le monde. Hop là, les esquives. Double esquive, t'as vu. Hop là. Eh ben c'est bon, il y a plus personne, c'est parfait. Jim, vos hommes peuvent reprendre leur patrouille. Les tanks sont neutralisés. C'est parfait. Il pleut beaucoup quand même. Hein. Qu'il y en ait pas d'autres. Ça m'étonnerait. Je vais avoir besoin de la chambre d'isolement du GCPD. J'amène Ivy. Par où je vais? Elle va par là. J'aimerais bien qu'il pleuve pas pendant tout le jeu, ça serait pas mal. Parce que bon, l'ambiance est cool et tout, mais bon, s'il passe son temps à pleuvoir. Ouh, un petit lag. Chose qui arrive. S'il passe son temps à pleuvoir, c'est. Oh, désolé. Dérapage contrôlé. Ah, vous avez vu la fumée, c'est pas énorme. Je trouve ça absolument. Clairement, la fumée, je la trouve magnifique. Ravi de vous voir ici, Batman. Allez, allons-y. Ah, clairement, vous voyez, sans fumée, en intérieur, les scènes sont beaucoup moins. Ça demande beaucoup moins de ressources en intérieur. Ne tirez pas, c'est Batman, mais non. Non, c'est juste. Bon, ok, j'ai un peu un tank. L'analyse de la toxine de terreur donne quelque chose. Ça va prendre encore un peu de temps. Passez-moi voir la tour. Passez-moi voir à la tour de l'horloge quand vous pourrez. Je vous montrerai où j'en suis. Qui t'a appris à conduire? Pas toi. C'est Alfred. Alfred. C'est Alfred qui m'apprend tout. Il m'a appris à conduire, il m'a appris à me battre. En plus, oui, c'est vrai. Il m'a appris à me battre. Alors, Poison Ivy. Allons l'emmener en cellule. Très clairement. L'épouvantail va te briser, Batman. Franchement, pourquoi est-ce que tu te démènes pour ces humains? Bah parce qu'ils sont gentils. Des troubles civils? C'est la guerre dans les rues. On n'a ni les hommes ni l'équipement qu'il nous faudrait. Tenez. Gordon qui pète un câble. Ivy, ça nous fait toujours un souci en moins. Bah oui, clairement. La cellule d'isolement est prête. Ravi que vous en fassiez bon usage. Cellule d'isolement? Donc ça c'est une oh, cellule spéciale. Super. Une autre cellule. Bon allez, mais sois un petit peu plus contente quand même. C'est une cellule voilà, c'est une cellule de qualité. En plus c'est une cellule Wayne Tech. Alors please, sois exprime un peu de gratitude. Ah oui, je me sens tellement bien maintenant que t'es enfermé. On va aller voir Gordon, où es-tu? Hey Batman. Je crois que je commence à trouver Ivy attirant. Allez au ouais. Diable. Parlons à Gordon. Bureaucrate. On est seul dans cette histoire. Ok. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. Bon, voyons voir. Ok, on a ça. Tout d'abord, on a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leur dernière coordonnée connue. Mais ils ne tiendront pas bien longtemps livrés à eux-mêmes là-bas. Ok. Ensuite, on a quoi d'autre? Quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert.
On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Fort bien. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Le connaissant, il doit préparer un mauvais coup. L'homme mystère. Enigma. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Fort bien. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. Alors, sélection de mission. J'ai envoyé une petite... Utilisez l'écran de sélection de mission pour choisir votre prochaine cible dans Gotham. Chaque nouveau super vilain ou nouvelle mission que vous découvrez est automatiquement ajouté à cet écran. Tac tac, si vous voulez traquer l'épouvantail, sélectionnez l'icône 1-1. Ça doit être la quête principale et on peut faire d'autres trucs. Donc, épouvantail, homme mystère, meurtre chelou, progression globale et soldat en feu. On va faire le meurtre chelou. Je vais examiner cette scène de crime. Si un tueur en série est en ville, je le trouve. Par où est-ce qu'on sort? Exit. Gars, il va plus pouvoir se regarder dans la glace. Hé, hey, Batman! L'épouvantail t'a filé entre les doigts? Non. Non, non, il m'a pas filé entre les doigts. Je vais lui défoncer la gueule, c'est tout. Ok, donc on ressort, on est là. On va remonter dans la Batmobile et on va y aller en Batmobile, hein, très clairement, ça va être plus simple. Hein. J'ose espérer que la voiture répond à toutes vos attentes. Ah, Lucius! Je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de post-combustion. Merci, Lucius. C'est très noble à vous d'être resté. On a une post-combustion énorme. Essayez de oh, faire de ça. J'aurai bientôt de nouvelles améliorations. J'essaie de gérer avec le dérapage, mais c'est plutôt compliqué. Désolé le palmier, désolé. Ah, c'est juste là. Hop là. La fumée, hein, toujours la classe. Alfred. Vous voyez là, les textures sont pas vraiment chargées. Voilà, là les textures sont chargées. C'est oufissime, voilà, les textures étaient pas chargées quand je suis arrivé, elles se sont chargées maintenant. Inspecter le corps mutilé. Le mec, c'est tellement instantané les trucs. Les analyses de sang révèlent un arrêt cardiaque provoqué par une overdose d'antidouleur. De plus, les empreintes digitales ont été brûlées à l'acide. Somme toute, une mort peu souhaitable. Très clairement, Alfred. C'est comme si l'ADN du sujet avait subi une sorte d'altération. Ah ouais. Je n'ai pas assez de données pour pouvoir effectuer une recherche croisée. Je dois analyser le corps en profondeur pour trouver des caractéristiques plus précises afin de pouvoir identifier la victime. Ok. Exact, monsieur. Est-ce qu'on a un truc pour faire ça? Scanner hypodermique. Génial. On peut changer le niveau d'analyse. Est-ce qu'il y a un truc? Ah, il y a un truc ici, là. Analyser la preuve, maintenir espace. Difformité à l'oreille gauche qui semble être le résultat d'une légère agénésie de l'oreille. Une anomalie congénitale. Ok, on peut changer le niveau d'analyse. Ok, ah ouais, là je vois les muscles. Énorme. Ah, truc là. Un truc ici. Une alliance dans le gros intestin. Elle porte l'inscription Ophélia. Le mec a bouffé son alliance ou c'est moi? Encore analyse. Oh, je peux voir les os, c'est génial. Et là, ça ressemble à une prothèse de hanche, ça, très clairement. La victime a récemment subi une opération de la hanche. Eh oui. Les tissus ne sont pas complètement cicatrisés. Alors qui c'est? La victime s'appelait Anthony. Ah oui, direct. Ah oui, son bah, dossier oui. Médical indique qu'il souffrait d'alcoolisme, certainement suite à l'échec de son mariage. Le nom sur l'alliance, Ophélia, est celui de son ex-femme. Il a été vu pour la dernière fois à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Mais qu'est-ce qu'il foutrait là? C'est que les victimes n'ont pas disparu à Gotham. On les a amenés ici avant de les tuer. Pourquoi? Il faut qu'on retrouve celui qui a fait ça. Ouais, très clairement. Je vous suggérais de tendre l'oreille et de guetter cette horrible musique d'opéra. Cela ressemble fort à une carte de visite. Très clairement, oui. On a gagné un autre point d'amélioration. Progression de la traque. Énorme. Et si on va faire ça, par exemple? Les pompiers ne sont pas en sécurité. Non. Il y en a combien? Ok. Les rues. Je vais commencer par Dixon Dockwest. C'est leur dernière position. On va aller voir les pompiers vite fait. Et après, je pense qu'on s'arrêtera pour cet épisode-là.
Pardon, excusez-moi. Poste de combustion. Oh ah. J'ai un peu cassé le... J'ai un peu défoncé le pilier. En mode... Ouais, j'ai l'impression que tout est destructible. Regardez, si je passe là, comme ça... Ah non, pas ça. Tu crois qu'il en a eu assez? Oh non, loin de là. Il peut encore encaisser. Hein? C'est pas vrai, monsieur le pompier. Pitié, assez. Alors... On va vous casser la gueule, les mecs, hein. Oh, je me suis pris un coup. Évasion, tac. Tu peux faire ta prière, Batman. Oh, je me suis pris un coup. J'essaye de... De les finir. Mais ça ne marche pas. Je me suis trompé de bouton aussi, c'est pour ça. Ok. Bon, c'est bon. Au final, les éliminations au sol, j'ai encore un peu de mal. Très clairement. Donc là, il y a un pompier. Sauvez le pompier. Le pauvre. Oh, le pauvre. Batman ! Oh, vous êtes venu. Bah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le camion a été attaqué. Des émeutiers nous ont attrapés un par un. On a été séparés. Et enlevé. Ils vont nous tuer. Ouais, ça je m'en doute, hein. Je sauverai vos hommes. Attendez là, un agent du GCPD viendra vous chercher. Fort bien, allez. On a déjà sauvé un petit truc. Donc on a regagné un point d'amélioration. Oh, bah il y en a plein là. Alors si on fait V, qu'est-ce qu'on peut... Ah, du coup on peut... Les pompiers sont retenus en otage. Leurs vies sont en danger. Il n'y a pas de temps à perdre. Ah non, du coup je sais pas où aller. Voilà, je suis là, je sais pas où aller. Donc on va aller là-dessus. De l'horloge, voir ce qu'Oracle a trouvé sur et la toxine on va. Espérons qu'elle a de bonnes nouvelles. Ouais, espérons qu'elle a de bonnes nouvelles. Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les épisodes suivants, etc. Et puis bon, likez si vous devez liker, dislikez si vous devez disliker. Laissez des commentaires si vous avez des suggestions, des idées et tout, des bref, n'importe quoi. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir.